Salut YouTube, bienvenue pour ce nouvel épisode de Shadow of War. On va reprendre l'émission Deltariel, la mission Deltariel qui était dans la zone de Nurnen. Parce qu'il me semble que tout le reste, on était pas mal, hein. Les Nazgûl nous ont sûrement suivis. Ils ne vont pas être déçus de ce qu'ils trouveront. Hop, la vision du roi sorcier. C'est parti. Et ils n'ont même pas dégainé leurs armes. On dirait l'œuvre d'Eltariel. Elle ne fait pas de quartier. À première vue, certains auraient fait de bons partisans. Il faut la trouver avant qu'elle n'élimine toutes nos recrues potentielles. Et si elle le faisait, nous n'aurions plus besoin d'une armée. Stop. Tu n'as pas provoqué cette guerre, mais c'est à toi d'y mettre fin. Ça rappelle pour me dire dans la zone, ça? Ok. Je récupérerai pas ces gemmes. Des blessures nettes. Et ils n'ont même pas dégainé leurs armes. On dirait l'œuvre d'Eltariel. Elle ne fait pas de quartier. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment juste là. Il faut la trouver avant qu'elle n'élimine toutes nos recrues potentielles. Mais si elle le faisait, nous n'aurions plus besoin d'une armée. Toudoum. Si vous cherchiez des Nazgûl, vous arrivez trop tard. Mais avant que je ne l'attaque, il parlait à un orque qui était... différent. Il y a des vers par ici. Ils nous expliqueront peut-être ce qui se passe. Si nous les capturons vivants... C'est à moi de décider qui j'épargne ou non, créateur de l'homme. Ne l'oubliez pas, toujours. Mais... monte, monte. Un délire, hein, tu me fais là. Bonjour. Les Nazgûl ont des accords avec des orques spéciaux. Dis-nous tout. Tuer son frère de sang, et il a besoin d'un coup de gars. Je le vois. Rendu. Hop là. Hop. Quel est l'objectif des élus? Protéger les Haïdis. Ça a un rapport avec la pierre de vision. C'est tout ce que je sais. Tadam. Tu vas me oh, je suis.
qu'est-ce que les Aedir ont révélé? Seuls les hurleurs le savent. Les élus tuent tous ceux qui approchent. Les hurleurs, les Aedir, que des mots que je connais pas. Elle a failli le tuer ? Ces élus, d'où est-ce qu'ils viennent ? Les hurleurs les créent avec un genre de rituel. C'est gardé secret. Je sais pas où ils font ça. D'autres orques approchent. Je m'en occupe. Le roi sorcier aura le ralentir. Les tours détenues par les élus seront ses yeux. Alors, il faut les aveugler. Et le 5. Le rituel pour créer les élus, où se déroule-t-il? Personne le sait. Quand un capitaine est choisi, les hurleurs envoient un verre pour lui dire où aller. Les hurleurs, c'est quoi? C'est les Nazgûl? Il faut informer Eltariel de ce que nous savons. Ça ne la concerne pas. Nous avons notre mission, elle a la sienne. Sa mission est d'éliminer les ennemis qui nous suivent. Plus nous échangerons d'informations, mieux ce sera. Salut. Ils ont bien voulu coopérer. Le roi sorcier se sert des Aedir pour trouver l'anneau. Il donne plus de force au Palantir. Des orques élus les protègent. L'ennemi détient peut-être le Palantir, mais les Aedir sont beaucoup plus vulnérables. Bien. Voilà donc leur plan. Il n'y a plus qu'à le contrecarrer. C'est quoi un Aedir? Ah, pour le moment, j'ai cru que c'était Palantir, ensuite j'ai cru que c'était une tour de vision. Et maintenant, je suis plus sûr de rien. J'allais dire, y'a personne, mais en fait, ils n'ont juste pas spawn. Le butin compte plus que tout pour ces orques et fraudeurs. Sans doute plus que leur propre vie. On est niveau 24, on va pouvoir commencer à récupérer des gars sympas, hein. Peut-être pas dans cette zone, mais... Tu te plains, rôdeur. Tu n'accomplis rien. Le roi sorcier détient les Aedir. Il te suit à la trace. Et bientôt, il te dominera. Vite! Ils ne doivent pas reprendre les Aedir. Ils ne pourront pas. Ah, oh, vas-y, je puis vers le haut. Quand nous aurons repris ses tours, il faudra trouver Eltariel pour lui expliquer ce qui se passe. Elle nous observe peut-être en ce moment même. C'est les tours. Mortellement brûlé. Choisi pour être la lame de Galadriel. Donc là, Aedir était bien les tours. Savoir ce qui se passe dans la tête d'une elfe. Mais cette Galadriel a dû choisir la meilleure.
Les deux chemins sont tout à fait ok. Hop, j'ai fait la flèche. Tu ne trouveras pas ce que tu recherches dans l'ombre de cette tour. Tu ne trouveras que la souffrance. Quand tu rendras ton dernier souffle, je reprendrai l'Aedir pour le roi sorcier. Hop. Ok, insensible aux exécutions, pas de problème, on dit que c'est comme ça. Aïe! Mais c'est vrai! Alors t'es mort. Ces élus sont plutôt obstinés. Les Nazgûl ont raison de créer des serviteurs aussi puissants. Même si les élus sont puissants, c'est pendant le rituel permettant de les créer qu'ils sont les plus faibles. Ils sont pas si puissants que ça en plus. Quand nous aurons toutes les tours, nous devrions essayer. Comparé à Outbook. Outbook. Poussez-vous! Je pense que c'est impossible à faire sans Karagor cette mission. Après, c'est pour ça qu'il te. Oula, 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 oula! Ah. Et toi aussi, Roder. Ah. Hop, un analogue avec de moins. Ça dégage.
moins de ténèbres déjà. Voilà, lâche-toi un peu. Ouais, vas-y, il se passe quoi là? Hop là, adieu. Trompe la mort. Gonflé à bloc, bon rose. Et toi? Ça va. J'allais dire, il va finir par s'adapter. Meurs. Coup d'épée dans le fiac. Donc c'est ça, les Aïdia, c'est bien les tours. À chaque tour que nous récupérons la vision du roi sans... Non, c'est un élu, je pouvais pas. Nous ne nous contenterons pas de nous voler sa vision. Je n'avais pas le droit de le récupérer cette heure dans mon armée. Grand regret. Pourquoi nouveau là-bas? C'est une vendetta, ok. Ok, du coup j'ai plus rien à faire ici en fait hein. J'ai plus rien à faire ici, du coup... C'est où ça hein? Cereghost, ok. Ça c'est... Barad-dûr. C'est juste la montagne. Je suis perdu sur la carte, je suis perdu sur la carte. Ah! Je rêve de retourner à Kirithen Gol. Allez. Minas Morgul du coup maintenant. Pardon. C'était une si belle cité tant qu'elle était humaine. Elle a été corrompue. Pourquoi je vais retourner ici? Il y a plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a ces missions là que j'ai pas fait. Ensuite il y a ces missions là que j'ai pas fait. Il y a cette mission là que j'ai débloquée, il y a tous les capitaines orcs sur la route que je peux ramasser. Ah, trop de trucs à faire là. Le roi sorcier protège sa citadelle avec un voile d'ombre. Et celle-là, il faut que je la fasse ou pas? Vas-y, je vais la faire. Hein. Capitaine, capitaine. De retour à Minas Ithil, les potes. Tu seras le premier capitaine de mon armée. Ou pas, t'es niveau 29. Je tiens pas à me faire bouffer. Y'a rien. Oh, y'a... C'est ça. Niveau 24 au milieu aussi. Du coup il va monter de niveau. Waouh. C'est possible hein, que je crève ici là.
reproduire. What? Vite, 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 vite. J'ai pas réussi. Il m'a one shot. Ouah, mais ils sont au bord, eux. Et à chaque fois que je te frapperai avec, tu le sentiras. On va faire sauter la Qu'est-ce qui se passe? Il est mort, j'en ai tué un. Merde. J'ai tué le seul que je voulais capturer. Que je pouvais. Ok, je pense que c'était ma dernière chance de survie. Voilà. Je fais des flèches. Ils sont barrés du coup. Ok, ok, on arrête, on a bien gueulé, mais. Bah, je suis mort là en fait. What? C'est qui le frérot? Il te reste du travail. Il était très humain ce gars. Mais non, je vais rouler. Oh vas-y là. Je fais n'importe quoi. Non mais chef de garde suprême direct. Réfléchir hein. Bon c'était cette mission là que je voulais faire à la base moi. Mais j'ai aucune idée de qui c'est en fait. Sauveur inconnu. Horrible. Ces archers ne te protégeront pas longtemps, Orc. Alors, il me cherche depuis un repas. Il y a quelqu'un ici. Il va regretter de m'avoir obligé à chercher. Yeah.
Malo. Alors, élimination petite depuis un bord, celui-là on peut le faire. Hop là, et là. Et maintenant, on peut aller s'occuper normalement à l'ancienne. Mais. Rien de les tuer, eux. Ils sont réapparus sur moi. Ils ont juste respawn sur moi, les deux là. Proche. 27. La musique. Très stylée. Bon, allons-y, hein. Enragé par le froid et le feu. Mais vas-y, je suis venu taper. En fait, ce qu'on voit pas aussi, c'est que j'ai d'énormes problèmes de manette. Ma touche A, elle reste enfoncée en permanence. Là voilà, là ma touche A reste enfoncée, je voulais pas du tout sauter au-dessus. Adaptation. Quoi? Vas-y, il m'avait pas touché. Bah, je suis mort. Je comprends même pas les hits que je prends. Il est passé où mon marteau? La fin. Allez, meurs. Ouf.
m'a fatigué cette mission encore, hein. Sac à butin ! Alors ça, c'est ce que j'appelle... Ah. Tu as de la chance de l'avoir... Je suis pas sorti de l'entrée de cette le zone de... Le problème, c'est que ta chance... Un quart d'heure que je suis là. Quand je le prendrai... Après, t'es tout seul, t'es un archer, ça me fait pas peur. Ok, anti-saut, pas de problème. T'as bien fait de m'attaquer toi, hein. Reviens quand tu veux, mon gars. T'étais nul. Bref. Si je regarde mon armée ici, j'en ai pas en fait. Ouais, c'est que des connards, hein. Voilà, des niveaux 10, ça. Pourquoi j'affronte que des niveaux 30? Mauvais bail, hein. Pardon. Oh, j'en ai marre de me battre ici, moi. Je vais te détruire. Aidez-moi, Beretta. Je sais pas ce qui vous donne. Ils m'ont pas vu plonger dans le buisson. Lui il vit dans la peur, hein. Pas du coup. Et la Citile n'a tenu que trop longtemps. Mais elle ne pouvait pas tenir éternellement. Qu'est-ce que c'était? Bim, double assassinat. Un capitaine de tribu Messac cherche un adversaire de valeur. Ouais, c'est moi. Bon, bon, moi je suis de valeur. Mais sois pas plus de niveau 20. Parfait. On va le saigner bien comme il faut. En vrai. Statistique de joueur. Ah, ok, c'est intéressant. C'est rigolo. En vrai, j'en ai marre de mon arc qui explose à tout le monde, là. Ça, ça va se faire. Je pense que je vais équiper celui-là. Ça, ça va se faire aussi, naturellement. Ça, ça va pas se faire. Pas tout de suite. Ok, on va essayer comme ça. Et vas-y, mais j'ai déjà perdu mon film à vie. J'en ai un. Pas toi pour la lumière. Je suis élu. Va-faut. Lui. Putain, c'est un niveau 29. Faut vraiment que je level up, moi. Oui, très bien.
Mais c'est des Nazgûl ici? 28, mais je peux rien faire en fait, hein. Calme-toi. Hop, adversaire de valeur. Ah, du coup, il va être face à nous, le direct. Pourquoi vous autres, pont rose, vous n'admettez pas que les héros vous sont supérieurs? T'as vu le troll derrière lui là? On dirait que vous préférez la manière forte. Ok. Enragé par le froid. Mais vas-y, tout le monde me met un hit et je... J'ai fait trop tôt, je prends des vies revers d'arbalète. Je fais que ça, boss. Oh. Qu'est-ce que demande mon chef suprême? Tuer mon rival, sauver mon frère de sang, tuer l'immortel, ça s'arrête jamais. Faut croire que c'est ça mon destin. J'ai juste pris des revers d'arbalète. Il n'a pas touché une seule fois en tirant, le mec. Je suis où là? La prochaine fois, il faudra... Non. Ne dis rien. Ouais. J'entends des bêtes en cage s'agiter. J'ai pas le niveau. Si je peux, non? Ah.
qui se passe si je sors de la zone de mission. On me casse les couilles. Ils sont trop forts en fait. Est-ce que c'était trop tôt pour revenir à Minas Morgul? Ah non. Il va mettre un hit, je vais crever. Aïe, aïe, aïe. C'est pas lui que j'ai visé, c'était le log. Voilà. J'ai vraiment réussi une mission. Attirez-le, mange-peur en effrayant des orques, puis dominez-le. C'est le mange-peur. Quand je suis parti en guerre contre Sauron, je voulais garder mes chefs de guerre sous ma coupe. Le mange-peur m'a fourni la solution. Même les plus braves frémissaient face à lui. Bonjour. Alors on est vraiment dans la terrification.
plus que deux. Ils sont où, mes gars? L'air porte la puanteur de la peur. J'ai l'impression que quelqu'un ici essaie d'effrayer son monde. Ok. Bon, tuer ces gardes du corps, ça devrait aller. Oh, waouh. Je suis sûr que je les esquive. Toi, tu te crois vraiment de la trempe d'un cauchemar? Elle va te galère, pichon. Des bien plus terrible que ce que tu peux imaginer. Je me nourris des petites peurs. Et je deviens la peur elle-même. L'un d'entre vous devrait allumer un feu pour le cuire. What? J'arrête de taper celui-là en fait. Ah, j'ai fait la mort. J'aurais tellement pu m'en sortir easy. Je suis bloqué par un petit bout de feu de merde. Alors que moi, tout ce que je sais, c'est pêche. Je l'ai pas tué, hein. Rien du tout. Maintenant, faut retrouver l'autre con. Hop là. Oui, je tue, oui, t'inquiète. J'arrive pas à le tuer.
Voilà, c'est bon. Ok. Purifié. Bien, merci, maître. Avec plaisir. C'est des galères, hein. Le mangepeur était mien, et je pouvais exploiter cette crainte pour dominer les autres orques. Mais la peur a ses limites. Parfois des manipulations plus... Tu m'en diras tant. Toujours niveau 25, quel enfer. YouTube, c'est la fin de cet épisode, on se fait des bisous et on se dit à très bientôt pour la suite. Ciao, ciao.